me surprend pas. Alors oui, j'étais mute, et oui, parce que les raccourcis d'OBS, ça fonctionne très bien. Du coup, je disais, hein, parce que, ah, voilà. Voilà. Non mais c'est bien OBS, hein. Tu mets des raccourcis quand t'appuies sur un truc, ça ne le fait pas, c'est bien. Du coup, je disais, parce que bon, j'avais dit des trucs, mais bon, hein, voilà. Coucou, bah, coucou Miskli, coucou Chihuahua, coucou Reden, coucou Tuki, coucou Cobra, et coucou les autres personnes qui ne parlent pas encore sur le chat, et coucou à ceux qui vont arriver, et coucou qui ne sont pas arrivés. Sur ce, je disais aussi que il va y avoir plein de lives aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on commence déjà par moi, hein, sur du métro 2033 jusqu'à 15h. Ensuite, il y aura Cobra sur du Doom de 15h à 18h, suivi de Kulevek sur Until Dawn de 18h à 21h, et Fabi de 21h à minuit sur Paranormal Activity VR. Et pour finir, le meilleur, à ne pas rater surtout, Cobra sur Until Dawn, non, sur Outlast, n'importe quoi, où il va bien flipper et mémé. Et oui. Sans espoir. Exactement, sans espoir, monsieur. Outlast, mais enfin. Oui, Outlast. Du coup, bah, on va lancer tout de suite. Oui, on va écraser. On va faire en normal. Hein. Bon, allez, non, on va faire ça en difficile. Soyons fous. Le tunnel se refroidissait. Melnick et on moi a obligé de plus que très dalle. Loin de la surface. Il a eu l'idée. Bientôt, sous les hurlements du vent, mais on s'en fout, nous dégage. Allions devoir faire face, quel que soit ce qui nous attendait là-bas. La fin de mon long voyage approchait, mais aurais-je le courage, la volonté d'y parvenir? Là est la question. Dites-moi si le son du jeu est bien ou pas. Hein. Hey, Artyom, quand t'as quitté ta station d'origine, pouvais-tu imaginer qu'on finirait dans un endroit pareil, ne sachant pas si nous allions sauver notre monde ou l'envoyer tout droit en enfer? C'est bon. Il faut franchir l'avant-poste militaire pour rejoindre la surface, Artyom. Quelque chose bouge dans la pièce suivante. Ouvre la porte, je te couvre. Ok, avec une couverture? Non, d'accord. Bah, tant pis. Quel bouton? Non, parce que oui, il y a plein de boutons. Bon, bah, je sais pas, on va faire lui. Ah. Bon. Ouvre la porte, je te couvre. Je connais pas du tout ce jeu en tout cas. C'est quoi le pitch un peu?
Et bah, tu sais quoi, Miss Click? J'en sais absolument rien, en fait. Ouvre la porte. Je sais que je crois qu'on Il est n'y a jamais rien qui est des mort par survivants ici. dans le métro Utilise ce système d'alerte russe, pour ouvrir la porte. ou un truc comme ça, je sais pas. Après une grosse bombe atomique, c'est ça. Ah mince. Wait. D'accord. Chelou. Un Fallout russe. Artyom, ces Exactement, caisses sauf contiennent qu'il y a un peut-être peu de des Poutine munitions dedans. et des mini-packs. Ouais. Ouais, Artyom, suis-moi. Ouais, moi j'aime pas ça. Ouais, elle est là. Bonjour messieurs. Hé. Ah, oups. Un truc là. On peut aussi. Oh, dommage. Waha! Oh là là, c'était dur. Ok, Au c'est secours. parti. Et c'est en 2033, non? Je pense. On dirait qu'il n'y a personne. Avant d'atteindre la surface, mets ton masque à gaz. Sinon, tu tiendras pas debout très longtemps. Ouais, il y a Fabi qui est passé. On Il y faut est mettre son presque. masque à gaz. C'est le théâtre Korolev. Il est très proche de la tour de télévision. Il y a des trucs. On visite, hein, tant qu'à faire. Donc tu le dis, Reden, en effet, ça me parle. Oula. Non, mais je sais, monsieur. Vas-y, je vais aller de l'autre côté, moi. Charge ton arme. Elle est chargée. Plus ou moins. Ils approchent. Ville créature. Bon, c'est mort. Bon, la rapidité de cette souris est peut-être un peu trop élevée. Oh là là. À la une, à la deux, à la trois. Ouah, comment ils sont trop forts. Salut Zoran, comment ça va? Bon. Vous entendez. Voici. Vous attendez pas à avoir peur non plus, hein. Notre Je suis pas sûr que but. ce soit le jeu qui doit faire le plus peur, hein. À vous, Bullman. À vous. Terminé. Même si l'ambiance est pas très rassurante, mais bon. Je reçois 5 sur 5, terminé. Bien reçu, bien reçu. Nous sommes à la tour de télévision, je répète. Nous sommes à la tour de télévision. Le groupe a-t-il évacué? Terminé. Affirmatif, contact établi. Il devrait être près de la tour de télévision à présent. Terminé. Reçu. Nous vous recontacterons du haut de la tour de télévision. Vous pourrez calculer notre position. Terminé. Allons-y. Les autres doivent déjà y être. Tout à fait. Allez, petite foulée. Une, deux, une, deux. Tu sais que le métro 2033 que tu as, il est différent au niveau interface que le métro 2033 Redux. D'accord. Non, je savais pas. Métro, enfin, la série métro, je connais pas trop. Hein. Oh, oui. Je connais que deux noms. Ça part de là jusqu'à ce soir. Le navigateur reste ouvert. Jusqu'à demain même, Zoran. Ah bah merde, c'est dommage ça, Alex. Ouais. Très bien. Outlast. Non. Content de vous voir, Parce colonel. que le métro 2033 de base n'est plus Vous avez dispo sur entendu ça? Steam. Mais qu'est-ce qui se passe? Cercle. Surveillez vos arrières, les gars. Ça, c'est un triangle, les gars. C'est pas un cercle, non? Ok, ce sera plus dur qu'à la bibliothèque. Il y a une créature. Merde! Feu à Ah! Tipi de balle! Désolé. Aïe! Aïe! Tipi de balle, comment je fais? Je pue de balle.
Aïe. Ah. Tu mourus ? Ah non, j'ai pas mouru. Ça lag, non ? Non. Comment ça, ça lag ? Il est plus précis. La vie était dure dans les tunnels, mais c'était chez nous. La routine y était réconfortante, toujours les mêmes visages, jour après jour. Mais depuis que les attaques des mutants s'étaient intensifiées, la peur régnait. Ok, le jeu qui fait un retour Windows tout seul. Jamais je n'aurais pu imaginer ce qui allait se passer le matin où l'ami de mon père adoptif, Hunter, est arrivé à la barricade. Ok, bah je sais pas, chelou. Artyom, enfin réveillé, je vois. Hunter va arriver. Il doit avoir des nouvelles des autres stations. Bien. Ah, petite guitare, on peut en faire. Oh, on peut en faire. Voilà, c'est l'instant musique. On y va. La merde, les cochons, la maladie, les bouffies, je vais pas abandonner. Alex, oui Nikolai, la station ne tiendra pas longtemps si ces attaques ne s'arrêtent pas. Il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Hé. Bonjour. Nous verrons ce qu'en dit Hunter. Tu devrais marcher encore plus lentement. Là, d'avance. Une autre patrouille a été attaquée la nuit dernière. Mais non, je vais pas mourir. Maman, c'est encore long. Mais restez calme. Allons-y, Artyom. Et Alexei, il était à l'avant. Quatre. Alexei y était. Non, c'est vous. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Le capitaine a dit qu'il allait bien, mais j'espère qu'il est en vie. Allez, Alex. Bonjour, Artyom. Ramasser des trucs, je peux pas éteindre. Oh, dommage. Là, monsieur. Comment vont les blessés? Pas d'amélioration. Deux sont morts ce matin. Oh, les sombres ne tuent pas sur le coup. Ils s'en prennent à l'esprit de leurs victimes. Ce qui, tôt ou tard, entraîne la mort. Je peux pas, je peux pas y arriver. Monsieur, tu peux. C'est Hunter, les mutants ne frappent jamais! Ouvrez cette porte! Ça vous savez pas, hein? Ce truc, ils ont peut-être appris à frapper les portes. Bah, j'aimerais bien baisser l'ascension, mais elle veut pas se baisser en fait. Je vais voir si je peux la baisser en jeu. Merci, fermez cette porte. Ça faisait un bail, Hunter! Content de te voir, Alex. Bonjour, Artyom. Alors, Hunter, qu'est-ce qui se passe dans le monde extérieur ? Pas grand-chose. J'entends surtout parler de VDNKH et des morts vivants dans vos tunnels. Une petite sienne, un petit... Artyom, j'ai rencontré un vendeur de vieilles cartes postales de New York. J'ai pensé à ton mur. Mon mur ? Ces créatures mutantes sont différentes. C'est autre chose. Qu'est-ce c'est pire encore. C'est flou. Je crois que j'ai besoin de lunettes. Bref, quel qu'il soit, mon ordre a pour devise. Un colis pour moi, ça. Alerte intrus dans le conduit d'aération principal. Ils arrivent par en haut. Merde. On n'avait pas besoin de ça. Ah. Il y a des blessés juste derrière le mur. Kirill, emmène ton groupe dans les tunnels. Hunter et Alex, moi. Alex, on doit rester ici et défendre le hall. Très bien. Artyom, attrape vite une arme. Et moi, j'ai pas le droit à une arme? Ah, si, un couteau. Artyom, attrape une arme! Oh, t'es mignon, oui. Ah, là-bas. D'accord. Alors ça. Bon sang, okay. Et sa monture, j'ai...
Pour pesquer entre différentes armes. Appuyez sur 1, 2, 3, 4, 5 et utilisez la molette de la souris pour confirmer. Mais si loin okay. Dans la station. C'est l'hôpital. Ils sentent le sang. Elle est où? Je suis poursuivi. Bon, pas par là. Ah! Ils viennent à nous en fait. Ouh, ça fait peur! Coucou Fabi, comment ça va? Là. Tiens, merde! Bon, bah. Allez-y! Coupez-vous-en! Laissez-les venir avant de les tuer! Quand même, les pauvres. La sortie de ce truc est chelou quand même. Non, non, je suis en difficile. Enfin... Pourquoi je suis... Ah, d'accord. Je pensais par une caisse. T'as pas grimpé? Non, dommage. Artyom, ça va? Mais bien sûr! C'est un bon tireur, le petit. Pas de sombre ici. Juste les déchets habituels. Même si tu les vois pas, les sombres sont là. Leur arme, c'est la peur. On les a perdus sur le chat, je crois. Elle fait fuir les Nosalis comme des rats dans les tunnels. Les sombres sont pas de simples mutants, mais des Homo Novus. La prochaine étape de l'évolution. Tu connais la survie du plus fort? Bah devine, on a perdu. Qu'est-ce qui te prend, Alex? Tu peux te laisser emmener à l'abattoir comme un agneau. Tant que je suis en vie, je me battrai. Et j'emmènerai plusieurs de tes Homo Novus avec moi en enfer. Tu te prends vraiment pour un cow-boy? Ouvre les yeux, Hunter! 10 soldats, entraînés au combat! Leur corps brisé. Leur esprit perdu. Les sombres, ils ont détruit le poste de garde extérieur. C'est ce qui se passe là-bas, au-delà de votre périmètre. Je vais partir en reconnaissance. Écoute bien, Artyom. Si je ne suis pas revenu dans la matinée, rends-toi à la station police et trouve un certain Melnik. Raconte-lui ce qui m'est arrivé et ce qui se trame dans les tunnels nord. Montre ça à Melnik, et il saura que tu viens de ma part. J'ai confiance en toi, Artyom. Je compte sur toi. Bien reçu. Si nous voulons survivre, cette menace doit être éliminée. À tout prix éliminée. Tu comprends? Bon, je crois que mon soldat a vraiment besoin de lunettes, hein. Parce que tout ce qu'il regarde de près, c'est flou. Enfin! T'as pris ton temps, comme d'hab! Ok, prends ton matos et va sur le quai. Ils nous attendent. Je te rejoins là-bas. Hé, hey, Artyom, n'oublie rien. Ok,
Donc c'est oui, c'est russe. Hein. Je crois qu'on peut confirmer là. Les cartouches de grade militaire. Ouh, putain, la puissance de ces cartouches, preuve calorifique. Nous avons une grande valeur. Blablabla, blablabla, ok. Privet. Ok, c'est bon, je peux. Non, je peux pas. D'accord. Ouais. En gros, vous allez sur la carte. Eh non, mais rallume la lumière. Si. Bon, on va voir pour baisser un peu la sensi là. Mais tout ça va être que les options de ce jeu, c'est pas. La sensi elle est pas très élevée déjà. Bon, on va la mettre genre là. On verra bien. Ouais, c'est mieux. Où avez-vous trouvé cette cassette ? Suivons les flèches. Elle a dit de rien oublier. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose ou pas ? J'ai pas genre. Non, y'a rien. Bon, y'a rien. Oh Dieu. Suivons les flèches. Je sais pas si c'est par là, mais de toute façon, il y a des flèches, faut les suivre. Les gens sont répugnants, tu sais. Menteurs, hypocrites, traîtres. Tu veux pas me donner ton arme, toi ? Non ? D'accord. Tu me traites de dégueulasse ? Ça traite les autres de dégueulasse. Non. Ça marche et ça laisse des sales traces partout. Et c'est tais-toi et lave. Je t'ai dit de pas t'éloigner. Je t'ai cherché partout, je me suis vraiment inquiété. Communication, recommence jamais, ok ? On va pas l'embarquer, le gamin ? Ça fera un joli appart. Les tunnels nord seront sécurisés par nos unités militaires unies. Bien reçu. Pour la défense du système métro. Salut. Ça va, je suppose. En gage de bonne volonté. Rien grave au moins. Les troupes de Riga sont déjà en route. Pas du tout. Nous comptons sur l'ensemble de nos citoyens. Oh, là-bas. Pour accueillir nos nouveaux. Voilà. Dans le monde de métro, vous trouvez des points d'échange proposant des munitions et d'autres objets. Les cartouches de calibre 45 de grade militaire fabriquées avant le désastre sont utilisées comme devise. Les cartouches des crânes militaires sont faciles à repérer. Elles sont propres et brillantes. En comparaison avec des munitions crasseuses, moins efficaces, fabriquées par des habitants actuels du métro. Il existe aussi des kiosques d'échange. Vous pouvez échanger des munitions de grade militaire contre de nombreuses munitions crasseuses. Très sympa qu'ils nous mettent les yeux noirs. Un moment dans le jeu. T'as encore vu ? Debout, gros là. Comment c'est pas gentil ? Bonjour. On peut acheter des trucs. Bon. Tu bois pour oublier tes soucis ? Eh ben t'en auras des soucis si tu rentres pas illico. Donc bien. Allez, avant. Oups. Bonne affaire. Je fais quoi maintenant, hein ? Je cherche où ? Salut Artyom ! Je crois qu'elle veut qu'on soit des démons. Ah, une bien jolie famille ! Sur le terrain, on reconnaît un bon soldat à son arme. C'est un peu trop bon, ça. Bonjour monsieur. Revolver, un canon plus long. On va atteindre les demandes sur les cibles en moyenne portée. D'accord. 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 Bazar ta caméra, c'est pour d'accord. Les lieux. Bazar. Mince. Comme tu voudras. Arraché d'un coup de dent. Les gardes arrière disparu. Sans trace. Pour le coup, qu'un truc coûte 100 balles, ça coûte réellement 100 balles. Même quand on a quitté le tunnel. Attends, je vais voir sur Google. Artyom, où est ton matos ? Va à l'armurerie et équipe-toi. C'est pas fini. L'armurerie, c'est où ? Ah bah c'est là, et c'est écrit. Ah, je crois, je dirais. Bonjour, c'est là. Salut. Faut des armes ? Non, pas okay, du tout. Si je viens de voir, à mon avis. Calibre 5.45, fabriqué à l'arsenal. Faible précision et surchauffe facile. Une vraie gonzesse. Ah, toi tu vas avoir des problèmes avec les clics. Et je sais pas où d'ailleurs. Oh, c'est sympa voilà de mini. Chargeur universel pour alimenter je veux bien le truc qui ressemble un peu à un P90. C'est quoi ça ? Et un masque à gaz. D'accord. Porte-le dans les zones à forte radiation. Bien reçu. Dieu te garde. Des trousses de secours.
si l'armurerie et que quelqu'un l'achète. Ok, te voici équipé, mon ami. Tu veux pas me donner ton casque là ? Il y a le même sur PBG. Ok. Et tâche de pas que le shotgun repérer, derrière, je dis pas non aussi. Non ? Bien. C'était où ? C'était là. Vous croyez qu'un jour on reverra la surface ? Non, jamais. J'ai jamais vu mon secours à part sur la vie. Salut ! Cobra ? Comment ça va, Artyom ? Tu peux rentrer ? Et quel monsieur ? J'ai pas vu, l'officier ? T'es prêt à y aller ? Bien. Shalta arrive trop tard. Il aurait apprécié ma blague. Tu disais. C'est sûrement que notre station prépare une alliance avec Riga. Nous leur envoyons plusieurs draisines avec des denrées humanitaires, des armes et des équipements divers. C'est la cargaison que tu vas garder. Le coucou Shalta d'ailleurs. Ça ne devrait pas être long, ni trop difficile. Bien reçu. Tu veux pas me donner. Arthur, une dernière chose. Oui. Quelle est la situation sur l'Admir Hunter ? Je sais. On fait pas du tout. De la nôtre. Ils sont imprudents, voire violents, de nature. Mais non. On gagne rien à jouer les héros. Alors reste en dehors de tout ça. Emmène la caravane jusqu'à destination, puis reviens aussi vite que possible. Ma demande à Raphaël. Au revoir, mon fils. Tout est calme, chef. Ok. Alors. Quelqu'un parle le russe ? Quelle est la situation, soldat ? Des cochons ! Salut, Artyom ! Mon dos ! Encore une ! Ah ! Lui, soit il est en train de mourir, soit il est en train de mourir. Faut le tuer maintenant, hein ! Parce qu'après, ça va être chiant pour le manger. Enfin, quoique, non. Enfin, si, hein, tuez-le, il est en train de mourir là. Non ? Tant pis. Salut. Oui. Chance, alors. Artyom, ici, ramène-toi. Ce serait joli que nos frontières soient défendues avec son aide. Tu parles au russe, Shalta. Salut. Je vous salue. Alors, vous êtes prêts à y aller ? Bah, si je viens de voir, oui. En avant. Guingamp. Assieds-toi là, Artyom. Et toi, Eugène, mets-toi ici. Vous avez rien oublié ? C'est la bonne ligne, au moins. Faut pas me tromper. Eh, les mecs, vous allez à Riga ? Ouais, en effet. Vous pouvez me déposer ? Ouais, mais c'est pas gratuit. Vous devrez actionner le levier de temps en temps. Je peux le faire ! Quelqu'un me kick Shalta, de suite. Très bien. Bonne chance à ceux qui restent, et à nous aussi. Allons-y. Souhaite-nous bonne chance. Bon, vous êtes prêts à être enfin ailleurs ? Waouh, Artyom ! Enfin libre ! Pendant la durée du trajet, en tout cas. Vous avez pas dit qu'il y avait une attraction ? Ou dangereux ? Ou encore mieux, non ? A plus, Reden. À la prochaine. C'était la première fois que je quittais la sécurité de ma station d'origine. Ça me tracassait de ne pas avoir dit la vérité à mon père adoptif. Je n'allais pas rentrer directement après Riga, mais Hunter comptait sur moi. Alors, d'où vous venez ? Riga, je fais ma tournée. J'achète des marchandises. Vous avez dû voir du pays alors ? Ouais. Go, go, go ! Le marché est juste à côté de Riga, et c'est une grande station de métro. J'ai fait plusieurs voyages à police, mais pour s'y rendre maintenant, il faut avoir beaucoup de chance. Faut être de Hansa. Wow. Comment ça ? J'aimerais bien. La zone Hansa est reliée à tout le métro, avec ses nombreuses stations. Mais les étrangers ne sont pas de soucis. Les et si c'est pas Hansa, vous devez passer par les rouges, les fachos, sans oublier les bandits. Et ces types sont plutôt agressifs ces temps-ci. S'ils attaquent pas tous les autres, ils s'attaquent entre eux. Le pire, c'est Sébastopol. En fait, j'ai même pas réussi à. Vous êtes con ! La seconde. Ralentissez, les gars. Peter, qu'est-ce qui se passe ? Une caravane militaire est immobilisée près de Alexeyevskaya. Un éboulement ou un autre truc du genre. Vous devez prendre le tunnel de service qui contourne Alexeyevskaya. Oh, merde.
Je déteste ce tunnel. Oh. Ok, Peter. Ouvrez cette porte. Inutile de rester ici plus longtemps. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a, ce tunnel? Ils sont dans c'est ça. Un tunnel dégueulasse. Pas assez éclairé, peut-être. J'y suis passé le mois dernier. On peut pas dire que ce soit vachement éclairé ici, hein. Faites bon voyage. On est sur une drésine et on est armé, donc on devrait y arriver. Oui. On devrait. Oh, petite piquette. Si vous m'aidez avec ce levier, on ira plus vite. Ok, créature là-bas. Aide-le, on ira plus vite. Tu gardes l'arrière, Artyom. Ok, pas de problème. On sera à Riga en moins de deux. Bon, l'arrière ou l'avant? Il faut partir d'ici au plus vite. Tout seul, c'est l'avant. Après, c'est l'arrière. Il me faut pitié. Il? Mais qui? Parce que vous êtes un peu devant, hein, tu vois. Vous les entendez pas pleurer? Comment ça, pleurer? Mais de quoi vous parlez? Mais qu'est-ce qui se passe? Boris? Boris? Ah. Qu'est-ce qui m'arrive? Peut-être mettre le masque. Quelque chose me dit que... Artyom, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quelque chose... Ah. Artyom! Par ici! Si nous voulons survivre. Rappelons que la consommation de drogue est illégale. Mais pas consommée. Recharger? Mais non. Ah! Monsieur? Vous avez de grands bras. Ça, c'est pas sympa pour les oreilles, par contre. C'est un vieux jeu, hein. En quelle année il est sorti, 2013 je crois. Oh, vieux. Mais qu'est-ce qui se passe? Merde! Mais réveillez-vous! Réveillez-vous, bon sang! Boris! Boris, réveillez-vous! Boris! Merde, ça craint! Ah! Ah mon dieu! Ah! Tire-le! Pas de panique. On y voit absolument rien. Ah! Et t'inquiète pas. D'accord. Ça c'est pas sympa pour les... Ah, t'aurais pu au moins recharger avant de me filer. Genre ça tire les deux balles d'un coup. C'est dur ça. Merci. Hein. On voit rien. Tout pourri dans cette gueule. Mais oui, c'est bon, il est mort. Ça sert à rien de leur tirer dessus. Je sais pas si on les touche. On y est.
Oh. Aïe, tu es mouru? Mort, je suis pas mort, je suis mort. Je suis quoi? Je suis caché. Il tire qu'une balle, mais je peux tirer qu'une fois. Oui. Station Riga n'était que le premier. J'ai pas de problème de visée, mais c'est juste que c'est chelou. Bon, les gars, trinquons à la santé de notre ami Artyom, qui se fiche des monstres et phénomènes du genre. Artyom. Ah, avec le shotgun, on peut pas viser en fait, parce que clic gauche, ça tire, et clic droit, ça tire aussi, en fait. Voyez. Franchement, sans toi, Artyom. On aurait été littéralement déchiqueté. Tu mérites une médaille. Ou au moins des munitions. Tiens, prends-les. À toi. Artyom, à la tienne. Salut Cookie. Artyom, t'es vraiment immunisé contre ça? Voyons si cette vodka le met KO. Ok, on va vérifier ça. À notre bonne étoile, c'est Artyom. À toi, Artyom. Et vous remplacez pas le verre? Non, parce que bon. Elle tape cette vodka. Allez, raconte. Le tunnel vers le marché est fermé et je m'ennuie à mourir à rester planté là. On a franchi une sorte d'onde invisible. C'est ça, moi. C'est tout s'évanoui. Si t'as plus envie de boire, fais un tour dans la station. Ok. Moi j'ai plus envie de boire. Laissez-moi sortir de la station. Qu'est-ce que ça peut vous faire si je vis ou meurs? Je m'en fiche. Marque un point. Mais j'ai des ordres. Par là. Bon. Voilà peut-être. Non. Ah, on m'a appelé, je crois. Oui. Merci de ne pas me pousser. Wow. Monsieur. T'es vraiment arrivé ici sur une draisine? Non, pas du tout. C'est toi, Artyom? Oh, j'aimerais bien essayer ce truc. Y a un homme là-bas qui t'attend. Il est du genre qui fait peur, et ils sont pas bons non plus. Mais nickel, et toi, Cookie? En échange d'une balle. Ah, je devrais rentrer, sinon je vais avoir une fessée. Donner munition, ne rien donner. Ne rien donner, okay. Bien, toi. Trouve-le toi-même alors. Hey, t'es vraiment radin. Oui. Salut. 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 On peut tuer le gamin. S'il vous plaît. C'est qui qu'on peut parler là? Ah, c'est lui. D'accord. C'est pas très cosy ici. Hein. Je t'y conduirai en échange d'une balle. Je fais pas bolos par les gamins. C'est moi qui viens de le bolos. Mais bon, donc le jeu n'a pas le choix en fait. Qu'est-ce qui va? D'accord. Non, j'ai pas plus sombre. Putain, mais le truc est tellement petit que il passe sous la caméra que tu le vois plus. C'est celui qui...
approche. C'est bah... donc toi, Artyom. Hein, salut. Assieds-toi. Cool. Non. Ah. On m'appelle Bourbon. Écoute, je dois aller à la station Harit pour affaire. Mestroara est fermé. Mais je connais un chemin, un passage maudit que les habitants ont peur d'emprunter. Mais il paraît que ce qui se passe dans les tunnels ne t'affecte pas. Donc, tu m'aides à rejoindre Harit et je te donne mon calash une fois là-bas. Entendu? Bon. Voici une avance, au cas où t'aurais besoin d'un peu d'équipement. T'es prêt? Bien reçu. Inutile de rester dans ce trou. Prends les munitions. Merci. Quelqu'un me kick réellement, Sheltarus. Oh, des munitions. On laisse pas traîner des munitions comme ça, voyons. Une. Il y en avait 4 dans le truc, ou 5, je sais pas. Il y en avait plus qu'une, en tout cas. Couper? Non, on peut pas. On peut pas. Moi j'ai envie d'aller là. On voit que dalle. Hein. Attendez, la touche pour la lumière, c'est quoi déjà? Je sais plus. F, ah c'est F, voilà. Bon, soit t'avances, soit j'avance, mais il faut choisir. Enfin, on est libre. Ouvre l'œil, le tour en Drésine est terminé. Beaucoup d'hommes sont morts dans ces tunnels. Mais si on reste sur nos gardes, on y arrivera. Ah, j'ai plus de munitions là-dessus. Ah, c'est qu'un simple rôdeur. Il attaque rarement les groupes. Mais si t'es seul, méfie-toi. Monsieur, vous allez tout de suite moins bien, vous. On peut pas récupérer son casque? Bon, moi je récupère ça. Dépouille un cadavre. Allez, avance. Étrange ces bruits. Soit ça vient du sol, soit c'est le vent. J'ai entendu parler de tuyaux qui chantent. On dit que si t'écoutes suffisamment longtemps, tu peux entendre les voix des morts. Quelle connerie. Oui, bien sûr, on avance. Ne fais surtout pas de bruit. Il doit y avoir un barrage dans le deuxième tunnel. Bah, arrête de parler alors. Attention. Quoi, il est mort. De toute façon, il... Le rat. C'est le rat. Merde, la caravane. Ils sont tous morts. Oups. J'ai mis clic. Et Anza qui se targue de les avoir éliminés. Hein. Reste sur tes gardes. Ils vont pas nous laisser passer comme ça. D'accord. Pas... Ah. Système d'alarme. Sommaire mais assez efficace. Si tu veux arriver discrètement, évite de toucher les boîtes de conserve. Ok. Alors comme ça? Est-ce qu'on peut passer comme ça? Attention où tu mets les pieds. Le moindre bruit te trahira. Oula! Un fil de détente. Idéal pour se débarrasser des aveugles et des casse-couilles. Tu saisis? Les petits malins, ils cachent des trucs partout. Je peux le casser. J'ai pas lu en fait. Hop, on va sauter par-dessus, dans le doute. Et la redoute. Dans ce coin et à
le talent d'oncle Bourbon. Quel, celui-ci? C'était dans la lumière. Qui s'en occupe ou c'est moi? Non, parce que bon. Ça leur apprendra. D'accord. Tu peux prendre le couteau comme trophée et me suivre. Vite. Le désactiver. Ah. Comment on fait pour désactiver? J'ai pas lu. Comme ça. Comme ça, hein. Ouais, bon, désactiver. Bon, t'avances ou t'avances pas? Moi j'ai désactivé là. Bon, bah j'avance. Bloquez-le! Il m'a pas vu. Oh, mais. Mal foutu ce truc! Ok. Il est. Il est. Bordel, on perd des hommes. N'importe quoi, j'ai pas Shelter. Aïe. Oh mais oh sérieux. Pas faire un changement d'arme classique comme dans tous les jeux. Franchement. Oh bah, je charge. Non, on peut pas se faire. Je sais pas. Ah, oh, je suis mort. Oui, chargé. Mais ce jeu il a été monté à l'envers en fait. Attention où tu mets les pieds. Oui, oui, c'est ça. On fout. Oula, un fil de détente. Idéal pour se débarrasser des aveugles et des casse-cou. Tu saisis? Oups. Bon, bah évidemment, il fallait qu'il saute dessus. On a des blessés! Mais non, il n'y a pas de blessés. C'est chargé? Non, c'est pas chargé. On a des blessés! Bon, avance. Bien sûr! Du bordel, on perd des hommes! On a un homme mort par ici! Comme ça. On va peut-être pas avoir peur. On peut bien se voir. Sauté par-dessus le piège en fait, hein, mais lui il a tiré dessus. En fait, il fait quoi lui? Il me regarde, c'est ça? Ou. Il va fermer sa porte. Je clique gauche pour changer. Caché. Y'a quoi par là? Ah oui. Bon, c'est un vrai shotgun ça alors. Dans le doute. On a des blessés! Gauche! Restez pas ici! Bordel, on perd. Et je rêve pas, je lui tire dessus là quand même. On perd du monde.
Ok. Bon. Moi, je sais pas, je crois qu'il a pas dû mettre les balles dans le flingue. Attention, ou... tu mets les pieds. Le moindre bruit te trahira. Oula, un fil de détente. Idéal pour se débarrasser des aveugles et des casse-coups. Tu saisis ? Personne. Un rat, peut-être ? Chut, les invités. Cache-toi dans ce coin et admire le talent d'oncle Bourbon. Ça leur apprendra. Tu peux prendre le couteau comme trophée et me suivre. C'est bon? Ils se sont barricadés. Merde. Il faut qu'on approche. Tu peux te charger de la patrouille. Ok, à tout, Zoran. Ah, puis là, il bouge. D'accord. Quoi? Oh, mais j'ai. Il y en avait un là, c'est ça? Ah, c'est le père. D'accord. Oui, bien sûr. Monte. Je vois que tu peux vachement grimper là. J'ai découvert cette licence avec la version Redux et je vais dès lors que j'ai patiné les deux. Bienvenue Thales. Thales 45. Ah ouais, l'autre il devait vachement bien couvrir mes arrières. Hein. Ah, ok. Merde, on perd des âmes! C'est quoi ces munitions qui font absolument pas de dégâts, sérieux? Et j'arrive à me prendre des dégâts avant que j'arrive quand même. Et il est vachement bien conçu ce jeu. Tiens, bouffe. On a un vrai crétin. On a des blessés. Non, droite. On va y aller en mode... Bah. Le tir aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il peut cliquer. Personne. Un rat peut-être. Bonsoir, il peut rester là, hein. J'attends que l'autre y passe et dans le dos, clic. Ah, juste, il y a pas trop nul. C'est quoi ce... Quoi? Personne. Une souris, un rat ou quelque chose. Monsieur. Hein? Qu'est-ce qu'il raconte, Fabi? J'ai rien compris. Oh shit.
Et merde. Oh, j'avais pas vu. Merde, on perd des hommes. Je te tuerai. Comment il parle? Bordel, on perd des hommes! Ça va, tu vois? J'ai changé magasin! Fils du plomb, fils de pute! Par ici, fillette! Ces balles sont pour toi! Ouais, c'est le premier niveau, ça. Bon, plus ou moins. Mais non mais sérieux, je suis sur le gars là. Couche de Dieu. Eh ben. Non, ça veut pas toucher. En tout cas, ils ont refait les dialogues sur le Redux. Mais enfin, en même temps, moi je regarde pas le sol. Hein. Alors qu'est-ce que Duvier vient foutre là? Non, mais d'accord. En fait, ça touche que dalle en fait. C'est un flingue où il a 3 mm de portée. Là-bas, là, ils font... Moi, ils sont morts. Ouh. D'accord. On a des pertes. C'est pas des lumières, les IA quand même. Luc, tu me détends avant le cauchemar. D'accord. Ah mais le gars, il a la tête solide, hein. Il peut pas mourir. Oh, le jeu, t'es gentil, mais. Merde, c'est vrai que je peux pas faire de clic droit pour zoomer. Pourquoi mon chat il sait? Bon, attendez, je peux te faire un retour Windows là, parce qu'il y a tout cas. Salut Estelles, comment ça va? A plus Thalès, à la prochaine. On est déjà jusqu'à tard ce soir, donc tu peux repasser, il y aura quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'ils ont alerté? J'ai pas vu. On perd des hommes. Merde, on perd des hommes. Bon, la visée de ce truc, c'est pas ça, hein.
4 minutes. Oui, qu'il fallait sélectionner. Ils se sont foutus de toi, ton filet des nerfs. Ouais, mais je crois que c'est ça. Ah, c'est vrai qu'il faut faire. Pourquoi il vise de l'autre côté, lui? Si, c'est gentil de prendre ta balle, je tire. Parle. Je vois pas qui c'est qui me tue là en dernier. Ils sont tous les deux en train de recharger. Ils peuvent pas me tuer. Ah, surtout là, gueule du pompe, il doit pas être efficace aussi loin. Bah, c'est pas le pompe que j'utilisais pour viser loin en fait. Bah, le pompe, je me doute que j'ai pas tué des gens à 10 km. Ça va, il me reste 18 minutes à survivre. Mais du coup, lui quand je l'ai tué, je sais pas pourquoi ils l'ont repéré. Il y a quelqu'un qui a une vue sur lui? J'ai pas vu. Ah mais oui, il y a ça là, j'avais pas vu les... Oh merde. Il y a quelque chose qui cloche. Ça m'a l'air tranquille. On a l'air bien aveugle, hein. Bizarre. Pourquoi? Mais what? Ah oui, c'est vrai qu'il faut appuyer, j'oublie. Heureux, Miss. Tu peux éteindre les lumières, il te semble. Oui, Miss, je suis toujours au même endroit. Bah, disons que j'ai des armes qui, au bout de 3 mm de portée, ne font plus rien comme dégâts. Là. Elle est là. Qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai pas. On ne peut pas éteindre la lumière. Que. Quoi? Je vais me dire que là il me voit pas.
Qui me voit pas? Qui me voit pas? Là, je sais pas, c'était pas une bonne idée d'être dans la lumière, parce que du coup, il regarde de mon côté. Ici, tu l'attires et tu butes ton fufu. Ouais, mais non, parce que du coup, il regarde de mon côté et. Mais je peux plus le tuer du coup. Quoi? Bah. Mais quoi, il m'a vu, il m'a repéré. Ah oui, il m'a repéré. Il veut pas mourir. Tu veux prendre ta balle, oui. Merde, on perd des hommes. Bordel, on perd des hommes. Mais non, on perd pas d'hommes. J'ai peut-être un peu trop baissé la sensibilité. Sans deck. Oui, bon, vas-y, il était déjà rechargé. J'ai une bombe nucléaire. Donc on va rester là et puis on va le laisser venir, non? Est-ce que ça passe à... Est-ce que le jeu est suffisamment bien fait pour passer à travers, non? Oh bah. Il va aller. Leur façon de mourir parfois sont un peu. Ah. Les poids de balle. Oh, mais genre, ils ont bougé quand j'ai tiré. Les vilains. Sérieux? C'est quoi sa portée de ce truc? On a un homme mort par ici! Connard! Est-ce que je peux pas déclencher le truc à distance? Hein? Là ça touche par contre, mais genre les têtes, des machins, ça touche pas. Hein. J'aimerais bien vous y voir. Moi je suis désolé, mais sur un jeu comme ça, on a plus du galère pas. Hein. Mais j'ai plus de munitions, c'est vrai. Aïe. C'est ça? Non.
Ok, bon. Mais oui, tout à fait. Je fais ça depuis tout à l'heure, il me le repère pas, et puis là. Oh, puis changement d'arme, sérieux. C'est chaotique, hein. Non mais même le coup de pompe, de toute façon ça servirait à rien. Ça. Ah, ancien, dégage. Tu peux rien faire, de toute façon tu te fais one shot. Passer directement au milieu. Tiens, dégage. On a des blessés. Ce connard a pris la drogue. Oh, bon, ça m'a l'air tranquille. C'est quoi ça?
Qu'est-ce que c'est? Oh là là, mais sérieux quoi. C'est juste n'importe quoi. Ce connard a tué l'un d'entre nous. Je vais le contourner. On a des blessés. Restez pas ici. Bougez. Je suis même pas sûr qu'en fait ça tape sur le gars. Je crois que ça tape dans le poteau en fait le truc. Ouais, je vois pas trop où est-ce que la balle va, mais. On a des blessés. Là, bizarrement ça touche et je comprends plus le système de distance en fait. De toute façon il est 15h, ça tombe bien. Du coup on va se laisser là, je vais laisser la place à Cobra pour du Doom. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Ne quittez pas.